Le département fait le bilan sur une rentrée scolaire placée sous le signe du numérique dans les collèges de la Corrèze, avec un focus sur l'établissement Albert Thomas à Égletton. Il y a 25 collèges publics et 5 collèges privés. Il y a un petit peu plus de 10 000 élèves quand même dans les collèges corréziens, avec des effectifs légèrement en hausse, puisqu'on se rend compte que les effectifs sont un peu plus élevés en 6e et 5e qu'en 4e et 3e. Alors aujourd'hui, donc, le collège a 361 élèves, l'effectif est stable, nous avons 14 internes. Tous les collèges sont connectés par la fibre. On a posé 600 bornes Wi-Fi dans tous les collèges, donc c'est un investissement déjà énorme. En 2 ans, le département a investi 3,5 millions d'euros pour l'opération 100% collège connecté. Nous avons donc dans les salles de classe un ordinateur pour l'enseignant et un vidéoprojecteur. Ensuite, les élèves sont équipés en tablettes numériques. Nous avons également une salle informatique dans laquelle il y a une quinzaine d'ordinateurs. La salle de technologie où il y a également les ordinateurs ici. Et pour un peu gérer tout ça, nous avons donc le serveur pédagogique qui nous permet d'envoyer les fichiers, de les récupérer via tous ces équipements. Alors les usages numériques sont assez nombreux. Il y a tout d'abord donc des usages assez simples comme des recherches tout simplement, mais certains enseignants ont remplacé les documents papier pour à la place travailler sur le numérique. Donc les élèves peuvent accéder via leur tablette aux cours que les enseignants ont préparés. Vraiment les classes sont très très bien équipées. Tout ce qui concerne le numérique est vraiment très très au point.